Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi, Sak Mapoulaka, nous là pour nous update sur ce qui a passé au Canada, puisque nous tous connaissons, nous concernés par ça, nous avons ensemble de frères nous qui a cherché asile au niveau Canada. Donc actuellement là, il y a un groupe au Canada qui est la meute, ils ont manifesté, ils ont même la manifestation ça, c'est que ils ont dit sont désordres, j'ai mon nom à prendre pas pile et pas paquet dans le pays, il y a demandé l'ordre. Donc, yo te prend la ria pour te exiger, parce que, donc, gen plusieurs centaines de sympathisants de mouvement ça qui ont la meute, yo te manifesté et dans la ri pour dimanche ça, bien que manifestation te commencé un petit genre en retard, et yo te fait ça avec leur discipline, c'est parce que yo pas de vle pour te accuser autant que monde qui raciste, et qui pas vle ou immigrant, ou même yo dit que, en fait, il a parlé de comme, pas oublier que chaque monde qui entre, l'État a un comme dépensé pour yo, loger et autres, les temps t'a passé. Et il y a des données qui dit qu'il y a presque 3 000 qui entrent pour semaine, pour mois d'août, simplement. Donc, monde ça a commencé à nerver. Il a parlé de mauvaise gestion, parce qu'il dit qu'on ont laissé aller. Vous comprenez? Vous pensez que vous laissez aller, qu'autorité n'est pas assez stricte sur l'histoire ça. Donc, vous dit revendication, vous dit que vous là pour demander au gouvernement Trudeau pour agir en gestionnaire responsable avec l'argent et ressources contribuables. En fait, c'est ça, il a parlé là. Donc, l'argent a dépensé sans contrôle, parce que imaginez, faut nous essayer de comprendre et tout le monde ça vraiment vrai. Non seulement faut loger, pas oublier que Léo Finvetti interview avec un petit comme faut bailler tout pour en attendant que le dossier avance. Donc, lui-même nous dit Trudeau, faut lui agir en gestionnaire responsable avec l'argent, ressources contribuables pour le prendre responsabilité, il a appliqué la loi. C'est ça qu'il a demandé. Et donc, meute là, il a parlé que lui-même nous dit au bout, il a manifester. Il n'y a pas voulu pour dire que c'est raciste parce qu'il y a toute race dans le temps. Parce qu'il dit on est des gens de toutes les races dans la meute, on est des gens représentatifs de la société québécoise. Ok? Ça vous dit. C'est 18 h, 4 h plus tard que manifestants ont sorti dans l'édifice là. Et maintenant, ils ont marché vers la zone que nous les fontaines de Tourny. Maintenant, ils ont souligné pour que des intégrants contre manifestants tout. Et la marche a déroulé dans une poignée de contre-manifestants qui partent gain en fait te gain beaucoup de monde qui compte avait dit un des contre-manifestants ça veut dire des séries de beaucoup de monde eux-mêmes qui pro-immigrants ok beaucoup de monde ça et mais ça qui vient passer c'est que eux-mêmes t'as semblé que pas de gain autorisation parce que t'es déclaré que manifestants pro-immigrants et ils t'es déclaré illégal parce qu'à partir de 2 h manifestants avec monde qui était pour immigrants qui t'avait fait face carré avec monsieur qui t'a même qui t'a parlé trop qui t'a dit trop comment dépenser faut que yo appliquer la loi donc yo te déclaré manifestant monde ça illégal et parce que vers 2 h manifestants a été déclaré illégal par le service de police de la ville de Québec qui a donné l'ordre aux manifestants de quitter les lieux donc la police te dit monde ça qui t'est venu camper en face monsieur. Ils ont demandé de quitter les lieux. Ils ont parlé de quelques éléments dans le groupe Mounsao qui étaient violents. En parlant de monde qui étaient venus défendre les migrants, c'est dommage. Les gens qui t'a défendu, ils ont accusé comme monde qui étaient violents. Ils ont parlé de militants Yagi qui étaient à la tête du groupe, a été arrêté. En fait, il y a des gens qui étaient venus pour défendre les migrants qui ont été arrêtés. Ils ont illégal rassemblement Mounsao. Il t'a dit que c'est illégal et j'en ai été réuni. Donc, c'est comme ça. Maintenant, affrontement de manifestants et policiers, plusieurs avec des abdés ont commis parmi les regroupements antifascistes qui sont divisés pour la colline parlementaire. Donc, tu as eu des abdés violents. Et donc, un homme apparemment sympathique au discours de la meute a subi d'importantes mesures saignées. Donc, c'est terrible. Hein? Parce que il dit qu'il y a des gens qui étaient, en fait, monde qui t'a manifesté. Contre, on dit contre haïtien, quelque part, il y a là-dedans été blessé. En fait, il y a mon dit qu'on n'est pas content. Mais en fait, pas oublier que chaque fois qu'on a fait violence, même lorsqu'on a défendu une bonne cause, il n'est pas bon pour nous. Okay? Donc, toutes les fois qu'on a mon qui blessé, on vient paraître tant qu'on bandit, bien que soit a défendu pour immigrant, il n'est pas positif pour nous. Donc, c'est ça qu'on a retenu.
Il a expliqué que le regroupement qui tape défendre immigrants, ça nous les manifestants qui voulaient camper en face, monde qui tape demandé pour appliquer la loi contre immigrants. Il était commencé bagarre à bien pacifique, ok. Plusieurs étaient réunis, il y a un député là-dedans, côté que tu as dit, même pas de racisme dans mon Québec, compassion sans frontières, Québec sans peur et sans haine, pour ne nommer que cela. Donc, c'est des images positives. L'été bien commencé. Et vous, voilà, vous dites, vous n'êtes pas écœuré d'être des racistes. Donc, ça veut dire que mon était commencé par là, bien propre. Mais ça, parce que tu as gagné un groupe, mon ami, des citoyens qui étaient vêtus de noir, tu as gagné de foulard, tu as gagné masque. Donc, ça t'a montré que, bah, la pâte à poil, était doucement. Donc, peut-être ces acteurs, ça, ont nécessairement, qui t'a causé un noël là, et pétard, projectile, tu es obligé à lancer. Donc, Negotivine, on en regarde ensemble vidéo ça. Donc, on a regardé la police qui est obligée de réunir. Parce que nous avons un pétard qui est lancé. Donc, c'est des actes de violence qui étaient gagnés. Donc, c'est sa bonne idée de Jean Bagay. Mais nous pas souhaité que c'est comme ça pour le passer. On a regardé là encore. Ça, c'est affrontement qui vient maintenant, ouais, monde qui passait devant nous là, avec tête les cagoules, mais en fait, il était censé allier nous, cap défendre les migrants, mais il vient paraître un plaido, parce que c'est eux-mêmes qui, acteurs, ont créé des ordres, et donc ils sont considérés comme illégal. C'est dommage que ça ne et démarche pour immigrants n'ont pas vraiment fait succès. OK? Donc, ils viennent paraître comme élément positif. Monde qui t'a censé défendre nos haïtiens frères, non, ils viennent paraître tant que des bandits, si ça t'avait dit, c'est dommage. Non, dit, c'est pas un succès quand bien même, qui n'a pas fait que nous content parce que nous t'a, en fait, ville par ville, nous t'a souhaité que. Effectivement, il y a plusieurs acteurs qui t'a défendu 15 noirs, okay, 15 haïtiens, même j'en avais moins, qui trouvaient le Canada et qui cherchaient la vie meilleure. Qu'on est nous-mêmes haïtiens, nous, tous côtés, nous avons cherché la vie meilleure. Fon dit, après des autres manifestations, ça, Trudeau, tu es obligé de parler. Nous, j'ai Trudeau, il y a longtemps qu'il ne pas parler. Trudeau, tu es obligé de prendre la parole. Parce qu'il va arrêter à regarder, c'est vrai que nous connaissons Trudeau, c'est lui pro-immigrant, mais comprendre bien, faut nous comprendre bien. Bagala pour un niveau là, li mangon, mais en pile, mon a débarqué. Donc, monsieur obligé de parler, premier ministre obligé de prendre la parole. C'est pour la première fois que monsieur parlait, jeudi dimanche là. OK, parce que demande d'asile est venue massive. Nous déjà connaît. Gon limite cas privé, il a pas obligé de prendre la parole, mais en fait, mais ça, monsieur dit, monsieur dit, je veux indiquer aux gens qu'il n'y a aucun avantage à arriver au Canada de façon irrégulière. Notre système, nos règles, nos principes, nos lois vont s'appliquer à tout le monde. Voilà. Donc, ces déclarations Trudeau, pas gain aucun avantage, monsieur pas jamais parlé, il parlait au. Ça t'avait dit qui ça? Ça t'avait dit que. Contrairement à ça, mon Abdi, il n'y a pas fait aucun favoritisme sous le base que c'est des Haïtiens, la loi a appliqué. Ok, c'est ça, Trudeau. C'est première fois, Premier ministre canadien prend la parole. Ok, maintenant, pour le Parti démocratique, là, même le monsieur parlait, je dis, il dit, monsieur parlait trop tard. Parce qu'il dit, cette réponse n'est pas assez forte et arrive trop tard. Et il a même dit, il s'était parlé beaucoup plus dur. En fait, pour eux-mêmes, monsieur te dit, il n'a pas arrêté, mais il dit même ça, monsieur dit, pour eux-mêmes, pour le Parti démocratique, là, qui c'est, et opposition au Canada. Donc, eux-mêmes, ils ont dit que, et monsieur parlait trop tard, monsieur des grands temps parler depuis Bibonet pour te faire comprendre les positions. Maintenant, il dit, c'est la bonne chose à faire de tendre la main aux demandeurs d'asile. Par contre, c'est trop peu et trop tard, estime le député Alexandre Boulry. Donc, il dit trop tard. Selon lui, le gouvernement aurait intervenir depuis longtemps pour prévenir l'arrivée irrégulière des demandeurs d'asile et de rassurer la population canadienne sur le traitement de leur dossier. Voilà. Donc, monsieur dit, tout de suite commencé, tu es supposé parler depuis longtemps.
parce qu'il y a plusieurs confusions au niveau de citoyens, citoyennes. Et peut-être que M. Trudeau a déjà dit peut aider. Donc, je dis quand même ça capable aider parce que Trudeau parlait, parce qu'il y a un peu de confusion. Et donc, nous disons, remarquez bien, les déclarations Trudeau a venir dans le contexte côté que des manifestations. Nous parlons de la meute qui te prend la rue, ou te dit même l'argent, il faut une gestion saine des gens comme vous payer les dépenses. Maintenant, et avocat spécialiste dans l'immigration, il dit, contrairement à ça, en pile, mon abdi, parce que il y a des gens qui font comprendre que un cas spécial, c'est comme quoi dossier, monde ça, en fait, monde qui traverse ces frontières irrégulières, dossier demande d'asile, je sais que vous avez priorité, il dit, pas rien bagaille ça, c'est que tout bagaille fait normalement, suivant Jean, t'es fait suivant la loi. Donc, mes situations, hein, nous mettons le clé encore pour auditeurs, nous, téléspectateurs, nous. Et donc, pour comprendre qui Jean Bagala peut évoluer au niveau Canada, donc, une fois encore, Nabdili, Monio, pas aucune garantie pour le Canada. C'est des choix, chacun fait des choix individuels, non pas la bonne d'eau, ni aller n'a pas parler, mais nous voulons d'eau que pas aucune garantie comme quoi courir au Canada. Et Jean Monio fait comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne résidence et autres. Donc, fait des choix raisonnés suivant les données. C'est un des choses, donc, c'est consacré. Donc, nous l'aguenons, nous demandons nous pour nous être inscrits, branchés sur Palmis, Akma Polakay, nous la pour nous former, à informer. N'allez, n'aouez encore.